Good afternoon. For 2 months now, Justin Trudeau has done everything in his power to keep the truth of the SNC-Lavalin corruption scandal from coming out. He has refused to call a public inquiry. He has shut down two parliamentary committee investigations into the scandal. He has changed his version of events, shifted blame onto others, and has been caught peddling phony excuses. And he has smeared, punished, and engaged in character assassination of those who tried to stand up to him and to speak the truth. But his attempts to suppress the facts and silence his critics don't end there. 1 week ago, I received a letter from a lawyer representing Justin Trudeau, threatening to sue me for my criticisms of his actions in the SNC-Lavalin corruption scandal. You all have copies of that letter. Upon receiving Mr. Trudeau's letter, I immediately consulted with my legal team, and after careful consideration, I was advised that Mr. Trudeau's complaints were without merit. I stand by every single criticism I have made of Mr. Trudeau's conduct in regards to the scandal, including those Mr. Trudeau's lawyer cites in his letter. They are all based on the facts that have emerged from parliamentary testimony and irrefutable evidence presented by Jody Wilson-Raybould. Today, my lawyer has responded to Mr. Trudeau's threats, and you all have copies of that letter as well. If Mr. Trudeau intends to pursue this course of legal action, if he believes he has a case against me, I urge him to do so immediately. This is an urgent matter of public interest, and it deserves to be heard in a legal setting where Liberals do not control the proceedings. I welcome the opportunity to examine Mr. Trudeau in pretrial discovery at the earliest possible date. I look forward to Mr. Trudeau presenting his evidence to Canadians under oath in open court. And based on what I hear, I'm certain Canadians will welcome this as well. However, based on his monumental efforts over the last 2 months to keep all the facts of this matter from coming out, it is clear what this is. This is a blatant attempt to use, and some would say misuse, threats of legal action to stop me from fulfilling my constitutional duty as leader of the opposition to hold the government of the day to account on behalf of all Canadians. It is a further attempt to silence those who stand up to Justin Trudeau and who seek the truth. It hasn't worked so far, and it will not work now. Trudeau should know what he's getting into. He will face questioning under oath for hours so that we can get to the bottom of this. He will also have to produce documents that demonstrate his true motives in helping his corporate friends avoid consequences. I am confident in my case, and I will continue demanding the answers that Canadians deserve. Depuis environ deux mois maintenant, Justin Trudeau a tout fait ce qui était en son pouvoir pour empêcher que la vérité sorte sur le scandale de corruption impliquant SNC-Lavalin. Il a refusé la tenue d'une enquête publique et a mis fin à deux enquêtes de comité parlementaire sur le scandale. Il a changé sa version des faits. Il a tenté de faire porter le blâme à d'autres et il a été forcé de battre en retraite avec de fausses excuses. Il a sali, puni et discrédité ceux qui ont tenté de lui tenir tête pour dire la vérité. Cependant, ses tentatives visant à étouffer les faits et faire taire ses critiques ne s'arrêtent pas là. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de l'avocat représentant Justin Trudeau menaçant de me poursuivre en justice pour mes critiques des gestes qu'il a posés dans le scandale de corruption d'SNC-Lavalin. Vous avez tous reçu une copie de cette lettre. À la réception de la lettre de M. Trudeau, j'ai immédiatement consulté mon équipe juridique et, après mûre réflexion, j'ai été informé que les plaintes de M. Trudeau sont dépourvues de tout fondement. Je maintiens chacune des critiques que j'ai prononcées portant sur la conduite de M. Trudeau relativement à ce scandale, notamment celle citée par l'avocat de M. Trudeau dans sa lettre.
Ces critiques reposent tout sur des faits qui ont émergé, des témoignages parlementaires et de la preuve irréfutable présentée par Jody Wilson-Raybould. Aujourd'hui, mon avocat a répondu aux menaces de M. Trudeau. Vous avez tous aussi reçu une copie de cette lettre. Si M. Trudeau compte poursuivre cette démarche juridique et s'il croit avoir des raisons de m'accuser, j'invite à la faire immédiatement. Ceci est une question urgente, d'intérêt public, et elle mérite d'être entendue dans un cadre juridique où les libéraux ne contrôlent pas les procédures. Je serais ravi de pouvoir soumettre M. Trudeau à un interrogatoire préalable le plus tôt possible. Je suis impatient que M. Trudeau présente sa preuve aux Canadiens sous serment dans le cadre d'une audience publique. Selon ce que j'entends, je suis sûr que les Canadiens seraient aussi favorables. Cependant, avec les efforts monumentaux qu'il déploie depuis 2 mois pour empêcher que tous ces faits soient révélés, une chose est claire. C'est une tentative flagrante d'utiliser des menaces de poursuite en justice pour m'empêcher de remplir mon devoir constitutionnel de chef de l'opposition, de demander des comptes au gouvernement en place au nom de tous les Canadiens et Canadiennes. C'est une autre tentative de faire taire ceux qui confrontent Justin Trudeau et qui veulent la vérité. Ça n'a pas marché jusqu'à présent et ça ne marchera pas. De plus, Justin Trudeau devrait savoir dans quoi il s'engage. Il sera interrogé sous serment pendant des heures pour que nous fassions toute la lumière sur cette affaire. Il devra aussi produire des documents qui montre ses vraies motivations pour aider ses amis à échapper à la justice. Je suis persuadé que mon interprétation est la bonne et je vais continuer de demander les réponses que les Canadiens méritent. Merci beaucoup. Ready for your questions. We'll begin with Sean McCarthy, Globe and Mail. Mr. Chair, do you believe that the Prime Minister broke the law in the SNC-Lavalin affair? I believe that Justin Trudeau led a campaign to politically interfere in an ongoing court process, in an ongoing court proceedings, and we have, of course, asked the RCMP to investigate to determine if a crime was committed. Monsieur Scheer, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une manœuvre de bluff de Monsieur Trudeau? Pensez-vous qu'il va aller jusqu'au bout de sa démarche? On va voir. Maintenant, elle a l'opportunité de démontrer qu'elle est sérieuse. Si elle vraiment pense qu'il y a une justification pour une action dans les cours, elle va commencer immédiatement. Et s'il n'a pas fait ça, on peut conclure qu'il n'y a aucune intention de continuer cette chemin d'action. Quand vous dites qu'il y a de la corruption par-dessus de la corruption, que M. Trudeau a fait une campagne d'interférence, d'ingérence dans l'affaire SNC-Lavalin, vous dites qu'il a donc violé la loi. Alors que la principale intéressée, Mme Wilson-Raybould, elle dit qu'il n'y a rien eu d'illégal. Alors comment pouvez-vous dire qu'il a brisé la loi? Vous ne trouvez pas qu'il y a des fondements dans ce que l'avocat de M. Trudeau avance? J'ai dit qu'il y a de la corruption sur la corruption sur la corruption, c'est vrai. Le témoignage de Mme Wilson-Raybould a montré que M. Trudeau a essayé de changer sa décision, même après elle a dit qu'elle a pris sa décision et que la pression maintenant était inappropriée. Elle a continué. Et on a entendu l'enregistrement de Mme Wilson-Raybould et de M. Warnick, et on peut entendre que c'est sous la direction de M. Trudeau que M. Warnick a essayé de mettre la pression, d'essayer de changer la décision. Et après que Mme Wilson-Raybould a dit non, elle a perdu sa position et on a vu après ça toutes les campagnes de discréditer tous les députés qui a essayé de montrer la vérité. Alors ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit la corruption sur la corruption sur la corruption. Et comme j'ai dit, je maintiens qu'est-ce que j'ai dit. Joan Bryden. Your deputy leader, Lisa Raitt,
excuse me, following the testimony of Jody Wilson-Raybould the first time at committee, said that she believed every word she said. Would you agree with that character? I certainly know that between Jody Wilson-Raybould and Justin Trudeau, who I believe Jody Wilson-Raybould. Why don't you believe her statement then that nothing illegal happened? Well, that was her opinion on that, and of course we've asked the RCMP to conduct an investigation to determine whether or not laws were broken. As I said, you know, we leave it to police officials, we leave it to prosecutors to determine whether or not illegalities took place, and that was why the Conservative Party and why I wrote the letter to the RCMP to call on them to investigate into the actions of the Prime Minister and the key officials that were named by Ms. Wilson-Raybould. I received a letter acknowledging my request. Stephen Scheer with Reuters. I was wondering why you felt compelled to release the letter that was sent to you today, and I also have a follow-up. Well, because I believe this is an attempt to stifle criticism of Justin Trudeau. This is a bullying attempt to try to prevent me from doing my constitutional duty as leader of the opposition. And the reason why I feel strongly about making this public is, first of all, so that Canadians can see the type of tactics that Mr. Trudeau will engage in, but also to challenge him to follow through with it. So far, the Liberals have used their control of parliamentary committees to shut down investigations into this scandal. This now presents us with an opportunity, presents Canadians with an opportunity to have a legal proceeding that Liberals can't shut down, that they can't control, that they don't chair, that they can't outvote members of the opposition to shut down investigations. And it will be done under oath, where the officials, the people that were named by Jody Wilson-Raybould, including the Prime Minister himself, will have to testify under oath. That is something that we have been pushing for through other channels, and so now this provides us with an opportunity to get exactly that. I'm new to Canada, I've only been here a week, so I wanted to ask, usually there's protection essentially from libel lawsuits in Parliament. My question is, why is this allowed? Is it because it was done outside of Parliament? Yes, okay. That's right. Andy Bergeron, CTV. What do you think it says about the Prime Minister's strategy in dealing with the fallout of the SNC-Lavalin scandal that he is now issuing you a libel notice? Well, I think it speaks to a multifaceted campaign to silence those who speak out against him. We know that Ms. Wilson-Raybould and Dr. Philpott were kicked out of caucus for the sole crime of telling the truth. To the Liberals, that is unforgivable if it causes damage to their leader. Ms. Wilson-Raybould and Dr. Philpott put a higher value on the truth than protecting Justin Trudeau's reputation. This, to me, is just another example of Justin Trudeau trying to use the tools at his disposal to silence critics and to bully those who speak out against him. So we will not allow that to happen. We will defend ourselves, and I will defend myself vigorously on this. Are you aware of any other similar letter that has been sent to any members of your caucus or even NDP under the Prime Minister Trudeau's government? Not at this particular time, no. Olivia from CBC. Mr. Scheer, do you honestly believe everything that you've publicly stated about the Prime Minister would hold up in court? Absolutely. I believe that it's based on a fair comment, based on evidence that is before the Canadian people, that is publicly before the Canadian people, that has been testified by people that had firsthand knowledge of the scandal. Can you share with us your next steps with your Commons strategy? With our Commons strategy? Well, in the House of Commons. So you'll know that on Tuesday, the Ethics Committee will meet, and it is our hope that the Liberal members of that committee who voted to shut down that investigation under the pretext that it was premature because Ms. Wilson-Raybould had not yet provided further documents to the Justice Committee, that they will be true to their word and allow the Ethics Committee to conduct its own investigation. That is the call to action that we are challenging those Liberal MPs to stay true to their word. We'll find out on Tuesday if they are going to be faithful to what they said, or if they too will bow to pressure from Justin Trudeau and his office. M. Scheer, je voudrais vous relancer sur une question d'un collègue. Est-ce que, à vos yeux, M. Trudeau a violé la loi?
Comme j'ai dit, c'est clair que c'est clair pour moi et je dois répéter, je maintiens ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit repose sur des preuves qui étaient devant les Canadiens. C'est basé sur le témoignage qu'on a vu et on a entendu. M. Trudeau a dirigé une campagne d'essayer d'ingérer dans une poursuite criminelle. C'est M. Trudeau qui a dit les choses qui n'étaient pas vraies. Elle a changé son histoire. Elle a donné une excuse après une autre, différente chaque semaine. Il a dit, c'est important de se souvenir, il a dit que Mme Wilson-Raybould a jamais lavé ses préoccupations patient avec lui-même. On sait maintenant qu'elle a fait ça et que M. Trudeau a admis qu'elle a fait ça dans la Chambre des communes la semaine passée. Alors, j'ai écrit une lettre au GRC pour déterminer, pour demander une enquête lorsque un policier peut déterminer s'il y a une base de preuves pour commencer une enquête criminelle. Vous êtes allé très loin dans vos déclarations. Ce ne serait pas à la police de faire ce jugement-là sur le comportement de M. Trudeau? Oui, ça, c'est la raison pour laquelle on a demandé à la GRC de faire ça. Vous n'auriez pas dû être plus prudent? Non, comme je dis, je maintiens tout ce que j'ai dit. C'est clair que, basé sur le témoignage de Mme Wilson-Raybould, l'enregistrement, les notes, même les admissions que M. Trudeau a fait, qu'il y a une campagne avec le but d'ingérer dans une poursuite criminelle. Et quand Mme Wilson-Raybould a dit à le premier ministre, à la greffier de la conseil privé, que c'est inapproprié, qu'elle ne veut pas de changer sa décision ou d'ingérer, il a perdu sa position, sa poste. No further questions. OK. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you.